Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour cette maison d'accueillir aujourd'hui Robert Badinter. Et je voudrais que c'est au nom de la vieille et respectueuse amitié que je lui porte, un honneur tout particulier pour moi de le présenter aujourd'hui. Pour vous le présenter, il y a une très grande difficulté, tellement sa personnalité est polymorphe. Et je dirais qu'il est d'abord un grand avocat, et je le dis avec toute l'admiration que, pour des raisons très personnelles, je porte à cette profession. Et j'ajouterai, selon un mot célèbre, que qui n'aime pas les avocats n'aime pas la liberté. Il est un très grand avocat, il l'a été, il est resté, je crois, tout au long de sa vie, c'est-à-dire un auxiliaire de la justice, comme on disait autrefois. Et dans le serment que nous avons présenté dans notre génération, dans le serment d'avocat, il y avait le respect de la magistrature, formule qui, curieusement, a disparu dans le serment actuel. Le respect de la magistrature, j'ajouterai que grand avocat, il a été un grand magistrat, d'une certaine façon, puisqu'il a été, pendant une dizaine d'années, le président du Conseil constitutionnel, et qu'il a donné à cette institution l'autorité suprême qu'elle mérite. Il a voulu qu'elle soit en haut des normes juridiques françaises, de façon à les faire évoluer dans le sens de la réforme. Il a été aussi un grand garde des Sceaux. S'il me le permet, et je le dis sans aucune forfaiterie, uniquement par esprit d'analyse, il a été le plus grand garde des Sceaux, certainement depuis la guerre, et peut-être même du siècle. Un garde des Sceaux, je sais que c'est une fonction, d'une certaine façon, la fonction la plus importante dans une démocratie, au point que l'Angleterre confie une tâche équivalente à des hommes des professions judiciaires isolés au sein du cabinet. Le garde des Sceaux est dans celui qui garde les Sceaux, c'est-à-dire qui garde ce qui fonde le droit français d'une certaine façon. Il a été admirable non seulement parce qu'il a fait aboutir cette réforme essentielle qu'il portait en son cœur d'avocat, c'est-à-dire la suppression de la peine de mort, mais aussi par une quantité d'autres réformes qu'il a fait aboutir. Il a ramené le parquet là où doit être le parquet, c'est-à-dire au parquet. Et il a empêché cette tentative qui est présente dans l'institution judiciaire française de faire monter le parquet là où il n'a pas sa place, c'est-à-dire à côté des juges proprement dit. Il a été parlementaire, sénateur, homme politique, écrivain, il a écrit sur d'immenses sujets, mais je dirais que fondamentalement, il a apporté à la République française, à l'Europe, l'image même de ce qu'est un homme d'État entièrement dévoué aux droits et à la liberté. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux qu'il vous initie et que vous ayez comme professeur pour votre première heure d'études. Merci encore, cher Robert. Bon, je dis merci, bien entendu, au président Casanova. Il ne vous a pas échappé que nous sommes liés, la tonalité de ses propos suffisait à l'indiquer, par une vieille et profonde amitié, et que la règle du jeu, c'est lequel de deux saura écraser l'autre sur le plus de compliments possible. À ce jeu-là, il est toujours vainqueur. Ça n'est pas que pour moi. Mais je te rassure, ma mère aurait cru tout ce que tu as dit. Tout. Alors, ce n'est pas la première fois, évidemment, que je viens dans cet amphithéâtre. Le sujet que j'ai choisi, je l'ai fait alors que je parle très très peu, très rarement, du problème de l'abolition de la peine de mort. Je n'ai eu que trop l'occasion d'en parler jadis. Si je l'ai fait, c'est à cause de votre âge. Pourquoi à cause de l'âge? Nous avons une différence sérieuse à cet égard, pas différent, mais une différence sérieuse dans la formation politique à laquelle j'ai appartenu. On parle volontiers d'éléphant. Et moi, je vais faire un aveu, je suis un mammouth. J'ai passé de très loin l'âge de l'éléphant.
Alors, je me disais de quoi leur parler, et j'avais noté depuis quelques années, 2-3 ans, que, alors que ce n'était plus le cas depuis longtemps, je recevais des lettres de professeurs d'université ou de professeurs de lycée, surtout d'ailleurs de professeurs de lycée, qui me disaient « Est-ce que vous pourriez venir parler à mes élèves ou à mes étudiants parce qu'ils se posent des questions que je trouve étonnantes à propos de l'abolition de la peine de mort. » Donc, ce n'est pas indifférent. Je remercie toujours, je n'accepte pas toujours, et pour ainsi dire presque jamais, mais quand même, ça commençait à me préoccuper. À me préoccuper parce que, pour vous, c'est de l'histoire. C'est même une très lointaine histoire. Peine de mort disparue, heureusement, de la France en 1981. Je dois dire d'ailleurs que quand il m'arrive, encore assez souvent, est-ce qu'on entend bien ? Ou est-ce que le micro, c'est moi qui suis ? On n'entend pas ? Si ? Là-haut, est-ce qu'on entend ? Bon, alors allons-y, oui. Je dis, quand il m'arrive de passer boulevard Arago, devant la maison de l'arrêt de la santé, qui est aujourd'hui en transformation, je me dis, c'est quand même extraordinaire. On est à quoi ? 500 mètres, 800 mètres du Sénat, jardin du Luxembourg, et c'est quand même extraordinaire, c'est vrai. Là, à l'aube, on prenait des hommes, j'ai vu ça, on les liait, on les amenait dans la cour, et puis, et il faut que vous le sachiez, vivant, on le coupait en deux morceaux, vivant. Il y avait un morceau qui tombait de chaque côté. Ça s'appelait guillotiné, vivant. Après ça, on l'avait à grand dos, et puis... chacun retournait à ses petites affaires. Et je me dis, dans Paris, à 500 mètres du Luxembourg, en 80, pour toi et moi, c'est presque hier. Et c'est à chaque fois, je reste perplexe sur sa foi, la nature humaine et le rapport particulier que notre nation a entretenu, et c'est à dessein que je souligne le passé défini, avec la peine de mort. C'est à Paris, au cœur de Paris, c'était aussi à Marseille, c'était aussi ailleurs. Et c'est vrai que c'est une histoire étonnante. Je ne veux pas vous faire une rétrospective de la pratique de la peine de mort en France depuis l'origine jusqu'en 1981, mais tout de même, si, comme on se plaît à le dire, nous aimions autant la belle littérature que nous le pensons, c'est certainement du génie national littéraire que sont sortis les plus beaux écrits contre la peine de mort. Et à mon sens, aucun n'a jamais nulle part égalé Victor Hugo. Aucun. D'ailleurs, je vais pieusement tous les 5 ans avec Elisabeth au Panthéon, tout seul avec elle, et puis nous apportons une grande corbeille de roses que nous posons devant l'endroit, le cénotaphe, où Victor Hugo repose. C'est vrai aussi pour Camus, je pourrais en citer un certain nombre d'autres. Et c'est vrai aussi que nous avons eu, je disais avec la peine de mort, des rapports si singuliers que, par le hasard de l'histoire ou la force des choses, comme on voudra, selon les époques, nous avons été en définitive les derniers de toute l'Europe occidentale, les derniers à abolir la peine de mort au sein de ce qu'était la communauté européenne. Les derniers, absolument les derniers. À partir de là, les interrogations se posent. Nous avions été, du temps des Lumières, parmi les plus éclatants défenseurs de l'abolition. C'est grâce à l'accueil fait à Paris et à la traduction de l'abbé Morellet que Beccaria a connu un triomphe européen, le grand César Beccaria, qui est le premier dans l'histoire à avoir véritablement
demandé l'abolition de la peine de mort sans aucune réserve. Bon, il était milanais, mais ça n'est pas pour autant, même avec le soutien des encyclopédistes, que l'abolition l'a emporté en France comme dans d'autres États européens. Le premier, je le rappelle, est le grand-duché de Toscane, avec le grand-duc Léopold, le frère de celui qui sera l'empereur Joseph d'Autriche-Hongrie. Nous, la tempête révolutionnaire a emporté la France, avec une longue discussion à l'Assemblée nationale au moment de la rédaction du premier code, celui de Saint-Fargeau, oui ou non abolir la peine de mort. Finalement, le Parti conservateur l'a remporté, c'était non, mais on oublie qu'il y a eu en France une première abolition de la peine de mort votée par une assemblée parlementaire, c'est-à-dire ici la Convention, qui date du 4 Brumaire en 4. Je vous garantis, vous pouvez faire le pari, poser la question, jouer à 1 contre 5, vous êtes sûr de rafler la mise. Est-ce qu'il y a eu une abolition en France ? Personne ne sera capable de répondre avant 81. C'est le 4 Brumaire en 4. Qu'au moment de se séparer, j'ai le privilège, je suis un collectionneur maniaque de documents judiciaires anciens, d'avoir un des exemplaires originaux de cette abolition. On se séparait. C'était le dernier jour de la Convention nationale. Et en même temps qu'on décidait que la place de la Révolution deviendrait place de la Concorde, qu'on faisait, on édictait une amnistie générale pour tous les crimes, et Dieu sait qu'il y en avait eu, commis jusque-là pendant la Révolution, en regardant le nombre de places vides à l'intérieur de la Convention et le nombre de ceux qui avaient été guillotinés, on a décidé d'abolir la peine de mort. Et la Convention a voté, avant de se séparer, dès la paix générale établie, la peine de mort sera supprimée en France. L'ennui, c'est que la paix, elle est intervenue au traité d'Amiens. Bonaparte était consul, il n'est pas question, croyez-moi, de supprimer la peine de mort. Donc on a mis tout ça aux oubliettes et on a attendu avec des écrits admirables, beaucoup de tentatives avec une suppression de la peine de mort en matière politique au cours du XIXe siècle. Beaucoup de très très bons écrits sur ce thème. Ça a failli intervenir en 1908. Et puis, malheureusement, alors que la majorité était abolitionniste, comme il y a eu un crime atroce commis peu de temps avant le Congrès radical, les radicaux ont senti d'un seul coup leur vertu abolitionniste chanceler, et en dépit de Jaurès, discours admirable, on a maintenu la peine de mort. La suite, on la connaît. Les guerres successives, la décolonisation, la libération, l'épuration. Bref, les temps ne s'y prêtaient pas jusqu'à 1900, je dirais les années 70. Alors, une chose que je voudrais vous faire mesurer. J'ai évoqué les promenades du côté du boulevard Arago, qui est très beau au mois d'octobre, quand les feuilles sont jaunes, les platanes. Mais il y a autre chose que je souhaiterais que vous mesuriez. Il ne faut pas croire que lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a joué un rôle très important dans cette affaire, ont aboli la peine de mort en France, c'était un souvenir d'une pratique lointaine et on se bornait à mettre la loi en accord avec les mœurs. Que c'était là qu'on l'avait laissé, que comme les Belges, bon, il y avait beau temps qu'on ne condamnait plus à mort et qu'on n'exécutait plus en France. Pas du tout. Et c'est pourquoi je parlais du singulier rapport que notre nation a entretenu si longtemps, trop longtemps, avec la peine de mort. Pas du tout. Il faut bien mesurer que dans l'ultime année
de la présence de la peine de mort dans le code pénal, c'est-à-dire l'ultime année judiciaire qui commence en 1980 à la rentrée, c'est-à-dire au 1er octobre 1980, jusqu'au moment où, après l'élection en 81, l'année judiciaire criminelle, c'est-à-dire les cours d'assises vont cesser de fonctionner 30 juin 81, entre le 1er octobre 80 et le 30 juin 81, il y a eu en France 8 condamnations à mort. C'est vous dire que ce n'était pas un sujet à dimension historique. Et après l'élection de François Mitterrand, et alors que François Mitterrand, avec un courage politique, il faut le dire, assez rare, et dit à la question de votre position vis-à-vis de la peine de mort, il a répondu, la France entière regardait, c'était les deux dernières émissions, la suivante était encore Giscard, mais lui était l'avant-dernier, tout le monde regardait, l'élection était particulièrement passionnée et tendue. La question, la peine de mort, l'abolition, était devenue un sujet très, très, très présent dans le débat politique français. Et Mitterrand a dit, on connaît la déclaration, moi, je le dis clairement, je sais quelle est l'opinion, mais je réponds, en mon âme et conscience, je suis contre la peine de mort, et il a expliqué pourquoi. Donc c'était clair. On venait d'élire Mitterrand. Eh bien, dans le mois et demi qui ont suivi, 3 condamnations à mort ont été prononcées. On n'en avait pas prononcé autant dans une aussi brève période de temps depuis la libération. 3 condamnations à mort en un mois et demi, ce qui est inouï. Alors, c'est pour vous dire que le sujet était très présent. Quant à l'opinion publique, elle avait une position aussi clair que possible. J'avais eu bien des fois l'occasion de le mesurer. Elle était pour la peine de mort et, de préférence, assez largement utilisée. Ce dont on pouvait se plaindre, c'est qu'on ne guillotinait pas assez. Pour donner la mesure alors très exacte, le matin de l'ouverture du débat sur l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale, un journal qui n'était pas, disons-le, d'une orientation particulièrement à gauche, Le Figaro, pour ne pas le nommer, avait fait faire un sondage, et en première page, je voyais ça, parce que de la tribune de l'Assemblée, quand vous parlez, vous voyez très facilement celui qui est au-dessus de vous, et il me suffisait de regarder, le sondage était 5 colonnes à la une, caractère gras, pour la peine de mort, 63,5%, contre 32%. Pas être plus clair. 2/3, 1/3, disons-le. Donc, et sur ce point, il n'y avait pas abstention, très très peu. Les gens étaient déterminés et les 2/3 de la nation voulaient le maintien de la peine de mort. Ça n'était pas une surprise pour moi. J'avais eu l'occasion de le mesurer dans ma vie professionnelle de très près, et je n'oublierai jamais, jamais, les foules, parce que c'était des foules, rassemblées autour des palais de justice de province dans les années 72-80, hurlant, mais hurlant, « À mort, à mort, à mort !» Quand arrivait le fourgon cellulaire, on emmenait les accusés vers le palais de justice. Je n'oublie pas, j'évoque ça de temps en temps avec un sourire avec certains amis de l'époque, hélas, beaucoup nous ont quittés, mais ceux qui ont vécu cela, je n'oublie jamais que j'ai toujours, quand j'avais le bonheur, le privilège, la chance que vous voudrez, en tout cas le soulagement assuré,
que la condamnation à mort soit refusée par les jurés après des débats d'une violence que l'on n'imagine même pas. J'ai jamais connu rien dans ma vie politique ou autre qui se compare à ça, à l'intensité de ces débats. C'était toujours des crimes atroces. Hein. Eh bien, le commissaire de police venait me trouver en me disant, écoutez, Badinter, on préférerait que vous quittiez le palais par derrière. Parce qu'on ne répond pas de votre sécurité. Et combien de fois ainsi, je suis parti avec un ou deux collaborateurs dans la voiture du commissaire de police par derrière. C'était ça, le climat qui régnait. On s'y fait, vous savez, on s'y fait. Mais malgré tout, quelquefois, j'ai un demi-sourire quand j'arrive à des réunions, notamment dans les palais de justice, et que je me souviens de l'accueil de jadis, et que maintenant les choses ont si changé, que je me dis, oui, on ne s'était pas trompé, et ici, je pourrais énumérer une série de noms, commencé par mon ami Philippe Lemaire, d'hommes et de femmes qui se sont tant battus pour l'abolition et qui ont été si rejetés par le public. Vous étiez identifié à l'assassin. À l'assassin, véritablement. Et j'ai gardé, comme ça, comme d'autres gardent des lettres de félicitations, moi j'ai gardé dans des sacs poubelles, on en avait un grand nombre, ça arrivait abondamment à cette époque-là, j'ai gardé les plus abjectes lettres d'insultes que je recevais, on faisait un concours familial. Là-dessus, tous les mois, il y avait l'Oscar dans la famille. Et j'avais remarqué, détail intéressant, sur les auteurs de ces lettres, que c'était toujours Elisabeth ou ma fille Judith auxquelles on annonçait les pires des supplices, avec une forte connotation sexuelle qui probablement ne se situait pas dans ma modeste personne. Mais là... Et donc j'ai gardé ça comme témoignage de ce que pouvait être cette obsession bizarre d'une société comme la nôtre, alors que vous traversiez la frontière, vous alliez en Angleterre, en Belgique, rien de comparable. Donc c'est un phénomène très singulier. Je ne vais pas me livrer à une psychanalyse collective de la nation française et de ses rapports lointains avec la guillotine régicide, bien que ce serait intéressant. Il n'est pas oublié que c'est l'instrument qui a tué le roi, que le roi, il était sacré par Dieu pour régner sur la France. C'est un sacrilège, l'usage de la guillotine contre le roi. Pour le petit couteau de Damien, on a vu ce qui est arrivé à celui-ci. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, je pensais qu'elles avaient définitivement changé. Et je refusais constamment de débattre la peine de mort, ça me paraissait ridicule. Ridicule, le débat était clos. En revanche, je n'ai pas arrêté, bien sûr, de lutter pour l'abolition universelle, d'où le titre de la conférence d'aujourd'hui, « Vers l'abolition universelle », et je continuerai tant que je pourrai mettre un pied devant l'autre et articuler une syllabe après l'autre, à combattre pour l'abolition universelle. Et sur ce point... Je dois vous dire que les progrès réalisés sont à proprement parler stupéfiants. Moi, je ne l'aurais pas espéré. Je parle à l'abolition universelle. Je quitte la scène nationale, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais je quitte la scène nationale, je parle de l'abolition universelle. Pourquoi est-ce que ces progrès sont si extraordinaires ? Parce qu'ils se manifestent dans tous les domaines et de toutes les façons. Alors, d'abord, quantitativement, le nombre d'États abolitionnistes par rapport aux États qui pratiquent la peine de mort. Là, la courbe jusqu'à 2015 est d'une éloquence absolue. On n'a pas cessé d'accroître le nombre d'États abolitionnistes. Lorsque le débat a eu lieu à l'Assemblée nationale, nous étions, nous, le 35e État aux Nations Unies, c'est-à-dire le 35e État au monde, à avoir aboli la peine de mort. C'était pas mal, c'était pas terrible. Comme je le rappelais, nous étions les derniers dans l'Europe occidentale. Donc ce n'était pas une performance, c'était plutôt un rattrapage. Mais depuis lors, nous nous situons aujourd'hui
là, nous sommes en 2015, donc facile de faire le calcul, 34 ans après, plutôt on va garder 14, 33 ans après, où en sommes-nous? Il y a 198 États aux Nations Unies, 193 plus 5 entités qui ont la qualité de membres des Nations Unies, comme l'autorité palestinienne, par exemple. Eh bien, sur 198 États, aujourd'hui, vous en avez 99 qui ont aboli la peine de mort en droit, et une cinquantaine, à peu près 48 aujourd'hui, qui sont considérés statistiquement comme abolitionnistes en fait, parce qu'ils ont renoncé depuis plus de 10 ans à l'utilisation de la peine de mort. C'est-à-dire que si je fais le total, 198, voyez-vous-même, majorité aujourd'hui de droit plus majorité de fait, ça vous fait à peu près 150 sur 190 sur 200. Donc on est passé de 35 à près de 150 en l'espace de 33 ans. Ce qui est, par rapport évidemment à la grande bataille pour l'abolition universelle, pour le grand Hugo, ça aurait été la réalisation de ses ambitions, pas complète puisque ça n'est pas fini. Mais c'est important de mesurer ça. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi ce qui est moins perçu par le public, mais qui, pour les professionnels du droit et plus généralement ceux qui s'intéressent à l'évolution des choses et des institutions, il y a aussi le fait que l'abolition s'est internationalisée. Je veux dire par là qu'il y a maintenant un nombre important de protocoles et de conventions internationales ou régionales ou universelles qui interdisent aux États membres le recours à la peine de mort. Alors, vous direz, M. Badinter, tout ça, ce sont des considérations très juridiques. Non, elles sont d'une importance extrême, pas seulement pour les étudiants en sciences politiques qui réfléchissent sur le rapport entre l'État et la peine de mort. Pourquoi je dis d'une importance extrême? Parce que dans les démocraties comme la nôtre, et généralement dans presque la totalité des démocraties, c'est le cas pour l'Union européenne, eh bien, le traité international prime la loi interne. Ça veut dire que si vous avez signé, vous êtes engagé, la France, à ne plus recourir à la peine de mort dans un accord international, vous ne pouvez plus le rétablir en France. La Cour de cassation immédiatement censurerait en disant comment vous avez rétabli une peine que internationalement, donc d'une valeur supérieure, vous êtes engagé à ne plus jamais utiliser. Hop, immédiatement cassation. Et c'était pour moi une telle obsession, pendant que j'étais ministre, de réussir à faire en sorte, parce que je savais très bien ce que certains dans l'opposition rêvaient de faire, c'est-à-dire rétablir la peine de mort. N'oubliez pas, nous sommes en 86 à ce moment-là, les esprits ne sont plus ce qu'ils sont aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui. Eh bien, je savais qu'il y avait cette tentation, on va l'appeler d'un nom élégant, mais la seule façon de le prévenir, c'était d'internationaliser et au moins d'européaniser l'abolition pour précisément interdire à une majorité de rétablir la peine de mort à la faveur d'un changement politique. Tant que la France serait liée par cet engagement international, c'est-à-dire tant que la République honorerait ses engagements, et s'agissant de l'Europe, je ne sais pas comment on l'aurait fait autrement, nous étions à l'abri. Et c'est pour ça que la dernière loi, mais le tout dernier débat auquel j'ai participé dans ma vie comme ministre, c'est la ratification par la France, la loi ratifiant ce qu'on appelle le sixième protocole annexe à la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit aux États signataires de recourir à la peine de mort. Je suis parti en me disant, cette fois-ci, c'est fini, il n'y avait plus qu'à déposer les instruments, ça a été fait, je pouvais donc m'en aller retrouver les délices du droit pur au sein du Conseil constitutionnel, sachant qu'on ne pourrait rien faire. Alors, ça ne s'est pas arrêté là, vous avez des pactes régionaux, vous en avez en Amérique du Sud, vous avez un deuxième protocole
annexe à la Convention européenne des droits de l'homme, puis va plus loin, puisque même en temps de guerre, il ne permet pas de rétablir la peine de mort, qui est le 13e protocole annexe. Vous avez surtout un instrument universel, qui est le deuxième protocole annexe au pacte sur les droits civils et politiques des Nations Unies, texte tout à fait essentiel, qui interdit à ceux qui l'ont ratifié de rétablir ou de recourir à la peine de mort. Et celui-ci, aux Nations Unies, en est à sa 84e signature. Donc, vous avez, en même temps que ce mouvement dans les États en abolit, vous avez internationalement, nous nous lions les uns aux autres par des accords qui font de l'abolition un principe, une valeur internationale au même titre que tous les droits de l'homme, et à partir de là, vous avez un changement radical de perspective. Je peux dire aujourd'hui que ceux, et je reviens à la scène nationale un instant, que j'entends ce qui jadis m'aurait exaspéré, maintenant ne fait que me faire sourire en coin. Quand un crime atroce est commis, et il y aura toujours des crimes atroces de commis, quand un crime atroce est commis, que l'opinion publique est saisie d'émotion, et c'est naturel, je dirais que c'est une réaction naturelle devant l'horreur du crime et de la mort, eh bien, qui disent « Ah, ce qu'il faut, c'est rétablir la peine de mort », je me dis en moi-même « Quel démagogue !» Quel démagogue, parce que c'est peut-être leur conviction. Mais comme ils sont parlementaires censés connaître la hiérarchie au sein de la Constitution et l'existence de traités aussi importants que ceux que j'ai évoqués, la Convention européenne des droits de l'homme, ces protocoles, ça n'est pas un mince instrument dans l'arsenal de nos lois. Même chose pour le pacte. Je me dis quel front. Et je vais plus loin. Je considère que c'est moralement abject, de faire sur ce qui est, ils savent, impossible, un effet politique pour obtenir des voix en mentant ainsi sur une question aussi douloureuse que celle-là. Quand vous entendez dire rétablissement de la peine de mort, il faut que vous sachiez que ça voudrait dire la France sort purement et simplement du champ des nations démocratiques dans toute l'Europe aujourd'hui et ailleurs dans le monde. On verra le cas des États-Unis tout à l'heure. Et dans la mesure où tous les présidents de la République successifs, et je dirais la plupart des femmes et des hommes politiques importants, ne cessent de dire que la France est la patrie des droits de l'homme, pour ma part, une longue expérience me permet d'être plus modéré sur ce sujet. La France est le pays de la déclaration des droits de l'homme. C'est déjà beaucoup et un grand honneur pour ceux qui en sont les auteurs. Quant à être la patrie des droits de l'homme, la patrie de la déclaration, à coup sûr, c'est une grande fierté. La patrie des droits de l'homme, il faudrait encore respecter la déclaration de nous sommes les héritiers. Je laisse cette parenthèse pour dire que c'est mensonge absolu. En vérité, la peine de mort a disparu de notre civilisation et particulièrement, dirais-je, de notre civilisation européenne. Ce qui m'amène inévitablement à étendre le champ. Aujourd'hui, vous regardez la situation. J'ai dit très large majorité d'États abolitionnistes à l'intérieur des Nations Unies, ce qui assure d'ailleurs tous les deux ans à la demande présentée par l'Union européenne et plus particulièrement par la France, l'Italie et l'Espagne, que soit voté par l'Assemblée générale des Nations Unies un moratoire sur toutes les condamnations et surtout sur toutes les exécutions de peine de mort dans le monde. Il ne cesse pas tous les deux ans d'y avoir un plus grand nombre de votants. Nous en sommes aujourd'hui à 109, je crois. À 109, il y a 6 ans, nous en sommes aujourd'hui à 111, à peu près. Mais je dis ça pour indiquer que le progrès, là aussi, s'effectue, et sur le plan international. Mais, ce n'est pas pour autant que
ce que j'évoquais sous le mot universel, l'adjectif universel, l'abolition universelle, le but est acquis. Moi, je regarde et je me dis, vous le verrez. Vous le verrez. Vous verrez l'abolition universelle. Et on sera aussi étonné qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt que nous le sommes quand on considère que la torture fait l'objet d'une interdiction universelle. Ce n'est pas qu'on ne torture pas, hélas. Mais on viole ce faisant, la loi et les engagements internationaux. On se met en torturant, non seulement hors du champ moral, mais hors la loi et la loi internationale. Eh bien, ça sera la même chose. Vous savez, la torture, il y a eu des amateurs nombreux d'utilisation du recours à la torture. Vous avez, à cet égard, au moment même où, au XVIIIe siècle, Beccaria faisait paraître délits et les peines, prônant l'abolition, un avocat général, le premier avocat général du Parlement de Paris, un grand criminaliste qui s'appelle Muyard de Vouglans, qui a fait tout son discours de rentrée solennelle au Parlement de Paris, première juridiction du royaume, sur le bien fondé du recours à la torture pour protéger les innocents. Voilà. Et c'était à l'époque des Lumières, et lui-même était réputé comme écrivain de qualité. Il n'était pas le seul de son opinion. Nous avons connu, dans des périodes tragiques, et comme victime, et comme auteur, le recours à la torture sur le territoire national, et certains ont même été jusqu'à l'utiliser au nom de la France sur certains territoires de nos colonies. Par conséquent, la torture a été une pratique qui n'a pas été hors la loi, puis quand elle s'est trouvée hors la loi, a été utilisée par ceux qui auraient dû en être les serviteurs, mais ce qui est acquis, c'est que la conscience universelle, les valeurs, ça existe, sur lesquelles sont fondées notre civilisation, exclut le recours à la torture, et vous avez une convention universelle à cet égard qui est en vigueur et qui est signée par tous. Alors, je dis cela en vous disant, est-ce que pour autant, même si nous avons connu ces pas de géants et ces progrès que, j'avoue franchement, je n'espérais pas, est-ce que la partie est achevée? L'issue, moi, j'en suis convaincu, vous la verrez, mais est-ce qu'elle est achevée? Il y a des nœuds, des terres de résistance. Vous avez d'abord une donnée qu'on doit prendre en compte. Si l'abolition est largement majoritaire en termes d'État, en termes de population, elle ne l'est pas. Vous avez au Conseil de sécurité 5 États, 2 sont abolitionnistes, Angleterre, enfin le Royaume-Uni et nous, 2 maintiennent la peine de mort, l'un ô combien la Chine, ouais, là, le fait est là, l'autre les États-Unis. Et il reste le cinquième qui a une attitude complexe, dirais-je, qui est la Russie. Russie qui siège au Conseil de sécurité comme successeur de l'URSS. Russie qui a signé au moment où est entré dans le Conseil de l'Europe, le traité, plutôt la convention, le protocole annexe, mais qui n'a jamais, jamais soumis à la Douma l'abolition de la peine de mort. Parce que les députés disent « Oh là là, oh, 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 ça, le pays n'est pas favorable. Oh, ça, il faut encore attendre. » Donc, ils sont en situation, je dirais, de balancier. J'ai entendu moi-même M. Poutine expliquer qu'il était un adversaire de la peine de mort. C'est dans la tradition des tsars. Vous êtes tous amateurs de littérature, grande littérature russe. Vous vous souvenez, c'était une question que je posais volontiers à mes étudiants au moment des oraux. Vous vous souvenez très bien du chef-d'œuvre absolu de la littérature criminelle, c'est-à-dire Crime et Châtiment. Il ne vous a pas échappé que le héros Raskolnikov, pas une seconde, ne pense à son exécution possible. Je rappelle que c'est un étudiant famélique qui a tué 2 femmes âgées et volées.
À cette époque-là et aux assises de Paris, je peux vous assurer que les chances d'échapper à la guillotine étaient, en dépit du talent de l'avocat, quasiment nulles. Un étudiant et révolutionnaire et famélique et qui tue deux femmes, fini. Par moments, il se pose même la question, est-ce que j'aurai le courage, est-ce que je ferai face, etc. Pour une raison simple, c'est que depuis la tsarine Élisabeth et surtout depuis Catherine la Grande, on n'exécutait plus dans l'Empire russe, sauf, et ça ne surprendra personne, les criminels politiques. Et c'est pour ça que nous avons le chef-d'œuvre La Maison des Morts de Dostoïevski. Parce qu'il a été condamné à mort, mais pour raison politique. Voilà. Donc Poutine, à cet égard, s'inscrit dans une tradition qui a permis à la Russie d'échapper à la peine de mort en utilisant la Sibérie. Laissons ça de côté pour dire que c'est quand même... Vous avez par ailleurs, et c'est une des raisons aujourd'hui, comment dirais-je, de l'inquiétude ou surtout de la volonté de reprendre aussi énergiquement qu'il convient la lutte pour l'abolition universelle, vous avez surtout le fait que dans les tout derniers mois, c'est pour ça que j'ai choisi le sujet aussi, pas les toutes dernières années, les tout derniers mois, on assiste à une resurgence sur le plan international du recours à la peine de mort. Et là, je parle non seulement en termes de condamnation, mais aussi en termes d'exécution. Et pour être encore plus précis, parce qu'on ne saurait l'être assez dans ce domaine-là, alors que jusqu'en fin 2014, c'est-à-dire hier, nous avions assisté pour la dernière année à une baisse, je crois que c'était de 20% des exécutions et 28% des condamnations. Nous avons eu, à partir de cette année, 2015, un accroissement sensible du nombre de condamnations et du nombre d'exécutions. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger, et vous voyez que, partant de Beccaria, nous arrivons au temps le plus immédiat. Pourquoi ? Quel facteur ? Eh bien, ils tiennent au fait que vous avez certains États, aujourd'hui, dans lesquels l'utilisation de la peine de mort comme mode de gouvernement, comme expression d'un système de gouvernement, des valeurs qui soutiennent, entre guillemets, ce gouvernement, c'est un certain nombre d'États qui ont modifié leur position. Je vais vous donner des illustrations. Vous avez le moratoire s'exerçait, que j'ai évoqué, au Pakistan. Les Pakistanais n'ont pas voté le moratoire aux Nations Unies en 2014 et ils ont exécuté je crois 78 personnes depuis le début de l'année. Vous avez l'Indonésie, où l'on n'exécutait plus. Et vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, et la chose n'est pas encore réglée en ce qui concerne notre compatriote El-Khlaoui, des condamnations à mort, ce qui était nouveau au regard des dernières années, et des exécutions, essentiellement d'étrangers. Vous avez un bond en avant de l'Iran. Je dirais franchement que quand on suit de très près l'évolution à cet égard de la justice iranienne, justice très très pénétrée par l'influence des mollahs, on n'est pas aussi confiant que le président Obama peut l'être dans la suite des choses. Parce que les Iraniens, non seulement n'ont pas aboli, mais les Iraniens sont, en termes de rapport population, condamnation, exécution, au-delà des Chinois. Aujourd'hui, les Iraniens sont, par rapport au nombre d'habitants de l'Iran,
ceux qui exécutent le plus au monde. Et dans les derniers mois, avec quelques spécificités, dont la première, la plus caractéristique, est d'exécuter les femmes, qui est une pratique peu répandue, même chez ceux qui conservent l'exécution dans ces modes primitifs. Mais pas là. Là, c'est une spécificité. Et cela vaut aussi pour d'autres territoires, ça vaut aussi notamment pour le Nigeria, d'autres territoires africains. Mais vous assistez comme ça à une montée du nombre de condamnations à mort et d'exécutions. Alors, je dirais, prenons très simplement les cas, ou plutôt les différents lieux, le cadre. S'agissant de la pratique de la peine de mort, il y a, je laisse de côté un certain nombre d'États qui y ont recours, je dirais, occasionnellement, mais la pratique elle-même, il faut l'étudier, il faut la regarder. Le premier État à l'utiliser, c'est la Chine. La Chine, nous avons les plus grandes difficultés, même dans les organisations les plus militantes. Moi, j'appartiens à Amnesty International depuis, je suis 75, quelque chose comme ça. Je représentais d'ailleurs Amnesty au congrès où on a eu comme thème l'abolition de la peine de mort, en 77. Eh bien, vous voyez que c'est une vieille passion. Eh bien, fidèle. Eh bien, je dis simplement, la Chine, on ne sait pas. On ne sait pas. Milliers, sûrement. Plusieurs milliers, peut-être. Dizaines de milliers, nous ne croyons pas. Mais ces secrets d'État, on ne sait pas. On ne sait pas qui est exécuté, quand il va être exécuté, où il sera exécuté, secret d'État. Et en Chine, ça veut dire quelque chose. Alors, dans ce domaine, je dirais simplement, que va-t-il advenir ? Moi, je suis confiant, à moitié, à la suite d'un long entretien que j'ai eu avec le procureur général de la République populaire de Chine, un vieillard auguste, on l'appelait d'ailleurs vénérable, donc vénérable, avec lequel j'ai eu, là, à Pékin, une longue discussion. Il m'a dit, vous savez, moi, je vais vous le dire tout de suite, moi, il avait sévi du temps déjà de Mao Tse-tung. Alors, non, moi, je ne suis pas partisan de la peine de mort, non. Je me demande combien il en avait requis dans sa vie, mais enfin, et je pense que, oui, nous suivrons à notre tour la voie de l'abolition. Je lui dis, pourquoi ? J'en suis heureux, mais pourquoi ? Changement politique, il me dit non, changement philosophique. Et il a ajouté cette remarque culturellement si intéressante. Nous, Chinois, nous ne pouvons pas, au regard de ce que nous sommes et de notre culture, vivre comme grand État sans reposer sur des valeurs. Le communisme, avec sa vision maoïste, s'est effondré. Le système actuel ne nous donne pas en termes de valeurs. C'est pour ça que nous avons gardé les valeurs proclamées sans les changer de satisfaction suffisante. Et je suis convaincu, a ajouté le vénérable, que nous allons assister dans les années qui viennent à un retour au confucianisme, qui est évidemment incompatible avec la peine de mort. Alors j'ai écouté ce vénérable en me disant, tiens, voilà un propos que je n'aurais certainement pas attendu du procureur général. Voilà ce que ça veut dire d'être le procureur général en Chine, de l'ensemble de la Chine. Je ne peux pas dire que depuis lors, sa promesse ou sa prophétie ait été jusqu'à présent complètement réalisée. Mais enfin, je la mentionne. Le deuxième problème, c'est la question des États-Unis. Alors, sur les États-Unis, nous avons une sorte de paradoxe américain dans la mesure où les États-Unis sont la première puissance occidentale et la première puissance encore du monde, que ce soit en termes militaires, en termes économiques, en termes aussi de capacités technologiques, voire de capacités grâce à leurs grandes universités intellectuelles. C'est la première, le modèle des autres démocraties et plus généralement le modèle culturel du monde. Les gens partout se souhaitent ce rêve américain. Moi, je suis plus sceptique, mais c'est peut-être parce que je connais depuis trop longtemps les États-Unis. Mais les choses étant ce qu'elles sont, les États-Unis sont aujourd'hui, et il faut bien le mesurer,
Il n'y a plus de peine de mort du tout en Europe, sauf un État, et c'est, je dirais, naturel, la Biélorussie. La Biélorussie est la dernière dictature stalinienne qui existe sur le continent européen. Il est normal qu'elle garde la peine de mort. Elle est hors norme et ça disparaîtra avec l'actuel dictateur. Mais quand vous regardez le continent américain, que vous partiez là du nord de l'Alaska pour descendre jusqu'en bas, nulle part, sauf dans une poignée de toutes petites républiques, entre guillemets, là, du côté des Caraïbes, minuscules États, qui sont peu concernés avec le problème de la peine de mort, mais très concernés avec les problèmes fiscaux internationaux, vous n'avez qu'un État véritablement, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est très, très, très important, parce qu'un État comme le Japon n'abolit pas parce que les Américains n'abolissent pas. Il y a, mais il y a les États-Unis, nous, on fait comme les États-Unis, on n'abolit pas. Donc, ça n'est pas au-delà des États-Unis sans importance. Eh bien, là aussi, je vous dirais, je suis... mais absolument convaincu que l'abolition est très proche aux États-Unis. Comment quoi regarder ? Non. Quand vous allez aux États-Unis, mais surtout quand vous écoutez ceux qui suivent de très près la question, d'abord c'est la réduction du nombre d'États dans lesquels on a recours à la peine de mort. Là, je vous rappelle. Les États-Unis sont une république fédérale, le code pénal relève d'abord des États, ce ne sont pas les mêmes peines pour les mêmes incriminations dans tous les États, et à part ça, vous avez une loi fédérale. Mais l'essentiel de la pratique pénale est une pratique qui relève de la législation des États. Or, le nombre d'États des États-Unis qui ont aboli la peine de mort en droit, ou en fait, mais surtout en droit dans les dernières années, est tout à fait étonnant, il est perdu de vue ici, mais aujourd'hui, il faut savoir que sur les 50 États des États-Unis, vous en avez 19 qui ont aboli. Je laisse de côté ceux qui vivent avec un moratoire et qui sont presque aussi nombreux. Mais 19 ont aboli, dont les derniers tout récemment, et je prendrai comme référence des États aussi importants que l'État de New York, l'État du New Jersey, Washington, c'est un moratoire, l'État de Washington, ou l'Illinois, patrie du gouverneur, maintenant président de la République, Obama. Donc, vous avez là, des États qui successivement abolissent la peine de mort ou s'arrêtent d'y avoir recours. Et en vérité, vous avez aussi, par ailleurs, à la Cour suprême, un très fort noyau. Ça se joue à chaque fois à une voix près maintenant, s'agissant de réduire le champ d'application de la peine de mort, de veiller à ce que les mineurs ne soient pas condamnés à mort, d'interdire l'exécution de débiles mentaux. Je prends des exemples récents de la jurisprudence de la Cour suprême. C'est toujours à une voix presque ça se joue, mais le sens inverse aussi. Récemment encore, j'espérais que la voix de Kennedy serait différente et qu'on aurait un succès s'agissant du procédure d'exécution qui n'est pas sans importance non plus sur l'issue finale. Ça n'a pas été le cas, mais j'en suis convaincu. 4 sur 5, attendons la prochaine nomination. Donc vous avez une Cour suprême qui, elle, est en faveur de l'abolition, ou peut l'être très facilement. Vous avez un mouvement vers l'abolition, vous avez un moratoire partout, et la peine de mort, en réalité, aux États-Unis, aujourd'hui, alors que quand Bush régnait encore, George W., le président, il était alors gouverneur du Texas. Et le Texas est le plus grand producteur de peine de mort des États-Unis. Lui seul, avec la Floride, ils en fournissent 80%. Donc c'est dire que la peine de mort, c'est vraiment très cantonné. Le Missouri, la Floride et le Texas, Texas surtout, et dans le Texas, trois cantons. Bon. Les choses étant ce qu'elles sont, du temps de M. Bush triomphant comme gouverneur du Texas, nous étions à 100 exécutions par an aux États-Unis. Aujourd'hui, vous en avez 37. Par conséquent, la réduction, et ça n'a pas cessé de descendre. Sur référendum, ça a failli arriver en Californie. Et je dois dire que le mouvement me paraît maintenant encore plus certain qu'avant,
parce que c'est mêlé ce que j'avoue ma honte d'avoir jamais conçu, c'est-à-dire des considérations économiques. Il faut abolir la peine de mort parce qu'elle coûte trop cher à l'État. Ça, j'avoue franchement que même dans d'innombrables congrès, lectures, etc., personne n'avait jamais dit, vous savez, c'est une question de gros sous. Ah, la Californie, qui, vous le savez peut-être, est aux abîmes, là, proche de... C'est pas encore la Grèce, mais enfin, elle est vraiment en état de terrible déficit budgétaire. La Californie fait faire une analyse que la durée du procès, le coût des procès à l'américaine, le nombre de voies de recours, plus la nécessité de mobiliser à l'intérieur des prisons de l'État, des établissements spécialisés avec gardiens, etc., sa représentation, gracié à tout le monde, qu'on abolissait la peine de mort en Californie et qu'on se contentait de perpétuité, une économie formidable. Et ça s'est joué, en effet, dans le dernier référendum là-dessus, à, je ne dis pas quelques voix près, mais très près. Et ça continuera, et c'est constamment maintenant un argument développé que, pour ma part, je n'utiliserai jamais. Mais c'est dire que le mouvement ici emporte. Et je vous dirai pourquoi c'est une certitude. Parce que la peine de mort, là, ça fait statistique, texte de loi, débat politique, débat philosophique. Non, la peine de mort, dans sa réalité, c'est une décision de justice. C'est ce qu'on oublie toujours. Moi, je le sais parce que je l'ai tant vécu. La peine de mort, c'est pas je regarde le code et puis j'ai... Non, ça se débat, ça se plaide. Et ensuite, ça se vote. La peine de mort, c'est dans l'enceinte, dans le prétoire, qu'elle est prononcée ou qu'elle est écartée. Et le résultat de cette donnée humaine fondamentale de la peine de mort, le résultat, il est le suivant. C'est que tous les poisons d'une société, je parle là évidemment de démocratie, mais tous les poisons d'une société, vous les retrouvez dans le recours à la peine de mort, dans la pratique de la peine de mort. Les poisons, le premier, le racisme, pas l'effet d'un hasard. Si quand vous allez, comme ça m'est arrivé, dans les quartiers des condamnés à mort, vous regardez la population en termes qui sont d'origine, le rapport entre le nombre de noirs condamnés à mort et de blancs condamné à mort pour la même infraction, il est toujours dans un sens, et toujours à l'encontre des Noirs. C'est la même chose aujourd'hui, ça commence à être la même chose pour les Latinos. Si on va au-delà de cette considération qui, à elle seule, suffit à condamner la peine de mort, je vous livre à cet égard, je veux que vous le sachiez, un souvenir. Au moment où je préparais le débat pour l'Assemblée nationale sur l'abolition, j'ai dit au directeur des affaires criminelles, M. Géol, un grand magistrat, j'ai dit, écoutez, regardez donc, j'aimerais que vous vérifiez un peu les cas pour lesquels on a prononcé la peine de mort en France, en dehors évidemment des peines politiques, peines de droit commun. Regardez les affaires, la nature, qu'on voit combien ont été prononcées pour assassinat avec préméditation, meurtre, avec, etc., viol, bon. Et vous regardez aussi à quelle catégorie sociale et à quelle origine ça correspond. Et là, tous les deux, je le dis, j'étais stupéfié, de constater que, à crime d'une gravité identique, ou presque, il y avait trois fois plus de condamnations à mort prononcées par les jurés français, car ça remontait jusqu'au début du siècle, s'agissant de Noirs et de Nord-Africains que pour des métropolitains. Trois fois plus. Et j'ai dit à l'Assemblée nationale, j'aurais dit, je ne savais pas jusqu'à ce jour, que pour des crimes identiques, les jurés condamnent trois fois plus, s'agissant de Nord-Africains ou s'agissant de Noirs. Et rien que ça me suffit pour que vous, maintenant, prononciez l'abolition. Et ça a fait, je dois dire,
sensation dans la... Sensation, parce que personne ne le savait. Cette étude n'avait jamais été faite de la peine de mort en matière ethno-raciale. Donc, vous avez ça. Mais je reviens aux États-Unis, vous avez l'autre différence, l'autre inégalité fondamentale, pas celle qui est liée aux origines, sauf peut-être sociale, l'argent. L'argent, tout simplement l'argent. Parce que, tel qu'est le système judiciaire américain, les très bons avocats, ils coûtent très cher, très cher, et à tous les échelons d'une procédure longue. Et par conséquent, si vous pouvez vous payer le Dream Team de la défense, comme un certain joueur de baseball, si j'ai bonne mémoire, qui vous coûtera votre Dream Team 1, 2, 3 millions de dollars, ça vaut la peine pour sauver sa tête, mais il faut les avoir. Mais si vous n'avez rien, que vous avez été plaqué au sol par un shérif illuminé et raciste, que vous ne pouvez pas citer les témoins, que vous n'avez pas les experts qu'il faut, et surtout que vous n'avez pas les moyens de payer les avocats qui conviennent. Est très compliqué la procédure américaine. Il faut des professionnels. Alors, bien sûr, il y a un corps de volontaires admirables que je connais, qui sont l'Association civique pour la défense, etc. Mais ça ne fait pas tout. Et là, vous avez la deuxième, je ne sais plus la troisième, c'est tout simplement l'éducation, la façon d'être, de se comporter, ce qu'on doit à ses parents, à sa famille, à son milieu. Et selon l'origine sociale, vous retrouvez la même discrimination. Vous n'avez pas dans les quartiers de condamnés à mort, sauf cas extraordinaires, pour des raisons qui sont des raisons à ce moment-là de pulsion, de déséquilibre sexuel majeur, vous n'avez pas le fils du grand chirurgien ou de la banquière célèbre. Vous n'avez pas. Ce que vous avez, c'est ce qu'on aurait appelé jadis, au XIXe siècle, chez les écrivains bourgeois, la lie de la société, c'est-à-dire les pauvres des pauvres. Et tous les facteurs sociaux se rejoignent et vous les retrouvez dans les quartiers de condamnés à mort. Et ceci, cette considération-là, que personne ne mesure assez, ça aussi, ça pèse sur la conscience américaine, comme je suis convaincu que ça a pesé dans le débat. Mais il faut s'en souvenir. Tous les poisons d'une société reviennent à la faveur d'une condamnation à mort. Parce que l'intensité de l'émotion et de l'indignation, elle est aussi facteur. Lui, quoi ? Ce black ? Osé ? Eh oui, ben, ça suffit. Tout le monde n'est pas, hélas, à cet égard comme il convient de l'être. Alors, je dis simplement que cet empoisonnement suffirait. Il reste le fait que le seul argument qu'on ait jamais fait valoir à l'encontre de la peine de mort, alors au profit de la peine de mort, vous voyez, ça ne peut pas me sortir, au profit de la peine de mort, c'est assez dissuasif. Foutaise. Je le dis brutalement, foutaise. Foutaise depuis l'origine des temps. Foutaise pour celui qui, comme moi, a écouté dans les cellules les récits de criminels qui encouraient la peine de mort. Et tout simplement, en regardant les statistiques, jamais, jamais, nulle part, l'abolition de la peine de mort n'a entraîné une hausse du crime le plus sanglant ou de la criminalité organisée. Jamais. Et d'ailleurs, il suffit de regarder l'expérience européenne. Le Conseil de l'Europe avait fait là-dessus des enquêtes qui ont été utilisées dans tous les débats sur la peine de mort à travers l'Europe, mais qui sont tous concordants, la criminalité sanglante, elle suit son chemin. Elle suit son chemin, qu'il y ait peine de mort ou qu'il n'y ait pas peine de mort. Pour d'autres facteurs, d'ailleurs, si on voyait, après l'abolition, d'un seul coup, la courbe de la criminalité sanglante monter, je peux vous assurer que dans les démocraties, avec les électeurs directement concernés, il y a eu des rétablissements de la peine de mort. Parce que je connais trop bien le monde politique pour ne pas savoir qu'il n'irait pas jusqu'à maintenir un principe contre une évidence
c'est-à-dire l'accroissement de la criminalité sans ordre qu'on doit combattre. Mais non, ça n'a pas été le cas, et ça n'est nulle part le cas. Pourquoi ? Parce que d'autres raisons sont à l'origine du phénomène criminel individuel ou collectif, mais pas la présence ou l'abolition de la peine de mort. Reste, et chacun s'en souviendra, mais je ne veux pas faire là-dessus un développement plus long, la peine de mort est criminelle. Elle est criminelle parce que on condamne à mort dès l'instant où c'est la justice des hommes et qu'elle est faillible, inévitablement des innocents. Inévitablement. Et à ce titre, c'est le pire outrage qu'on puisse faire à la justice et à la conscience humaine que de faire exécuter un innocent. Et ce n'est pas là une invention de romancier ou de cinéaste. C'est la cruelle réalité de l'histoire de la peine de mort et avec le recours à l'ADN et les preuves en révision, on a vu aux États-Unis combien d'hommes qui se réclamaient de leur innocence avaient été exécutés sur 5 décennies. Alors, c'est tout. Et je pense que ça suffit. Je pourrais continuer encore 1h30, 2 heures, c'est pas vrai. Mais soyons, pour vous, modérés. C'est très difficile, pour l'être humain de renoncer à la peine de mort. Moi, je ne suis pas d'un naturel optimiste sur la nature humaine. J'ai des raisons pour cela et je le dis très simplement. J'ai vécu comme enfant et adolescent juif l'occupation. Donc je n'ai pas d'illusion sur la nature humaine. Je ne crois pas, comme Rousseau, que l'homme naisse bon. Je crois qu'on a beaucoup de mal avec une éducation au cher Condorcet, des institutions convenables, à précisément arriver à maintenir tout ce qu'il y a en lui, qu'il faut combattre, retenir. Oui, je le crois. Et la peine de mort, elle est incompatible en tant que telle avec ce que sont nos valeurs, et la première d'entre elles, la première, c'est le droit au respect de la vie, de sa vie par les autres et aussi par l'État. Vous êtes ce que vous êtes, un de mes amis disait, nous sommes d'abord corps, coupé en deux, il n'en reste pas grand-chose. Je dis simplement que tel que nous sommes êtres humains, nul ne doit avoir le pouvoir de décider que celui-ci doit mourir ou celle-là avant que son heure soit arrivée. Ça échappe au pouvoir dans une société démocratique, quelle qu'elle soit. Et puis pour finir sur une note en hommage au maître des maîtres, je trouve que le plus beau mot qu'ait jamais prononcé Victor Hugo, qu'il a tant écrit contre la peine de mort, c'est qu'on ne doit jamais priver quiconque du droit de devenir meilleur. Merci. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Il vole, mais il est tard. 2, 3, 4. Merci. À la chinoise. Pas plus, parce que après, il faut que j'aille voir ma petite fille. Merci, cher Robert Badinter, d'accepter de répondre à quelques questions
Vous nous avez déjà fait l'honneur d'une intervention beaucoup plus longue que prévu. C'est là. Donc nous n'abuserons pas du temps précieux qui est le vôtre. Chers étudiants, je vous demande de vous préparer à poser, on va dire, trois questions à Robert Badinter. Et il y répondra avec plaisir. Si vous avez une question, vous vous approchez du micro, des deux micros qui sont entravés. Merci. Bonjour, Monsieur Badinter. Bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier pour ce très bel exposé que vous nous avez fait. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que vous semblez toujours jouer contre l'opinion dans toutes ces affaires, que ce soit sur un plan national ou international. Et je me demandais si vous aviez compris pourquoi l'opinion était si encline à la peine de mort. Je crois qu'aujourd'hui encore, on est à peu près à 50% en France. Je ne suis pas sûr de mes chiffres. Et pourquoi finalement, oui, l'opinion est si encline à la peine de mort et s'il y a une légitimité démocratique à abolir la peine de mort. Je ne veux pas avoir l'impression de vous faire de vous accuser de quoi que ce soit. Je suis moi aussi contre la peine de mort. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. L'opinion est contre la peine de mort, en majorité, c'est antidémocratique de l'abolir. Je me demandais ce que vous avez pensé de ça. Merci. Oui, une longue pratique et une longue expérience n'auront pas rendu nécessairement optimiste, comme je vous le disais. Mais vous avez raison de rappeler qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, moi je croyais d'ailleurs que la proportion favorable était plus grande encore, c'est beaucoup d'ailleurs selon l'âge, une très très légère majorité pour l'abolition. Mais si, comme les sondeurs le font habituellement, vous faites ça le lendemain d'un crime atroce où une malheureuse a été violée, assassinée dans les pires conditions, vous êtes sûr du résultat. Vous le faites 6 mois après, vous aurez un résultat différent. Mais dans le vif, c'est toujours le moment où on le fait. Mais sur le parcours à date fixe, c'est à peu près ça. Donc, il y a une évolution, on parle de la France, très satisfaisante. Si vous allez dans d'autres pays européens, vous avez des États dans lesquels la proportion de favorables à l'abolition sera encore plus importante. Vous en avez d'autres dans lesquels l'attitude générale est à peu près la même que la nôtre. C'est la raison pour laquelle pendant 15 ans, je n'ai jamais, devant un public français, pris la parole sur la peine de mort. Ce n'était pas la peine. Ça ne servait à rien, j'attendais qu'une nouvelle génération apparaisse. Mais c'est jamais indifférent de parler de l'attitude de l'opinion publique, parce qu'il faut absolument rappeler ces évidences que j'ai formulées tout à l'heure, et qui doivent être, à intervalles réguliers, rappelés, je crois, et surtout aux plus jeunes. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit au départ, si j'ai choisi ce sujet, alors qu'il y en aurait d'autres que j'aurais pu choisir, notamment sur l'Europe, qui nous tient plus en ce moment à cœur que tout autre, eh bien, c'est parce que j'avais reçu ces lettres d'enseignants. Donc, vous avez une réponse sur ce point. C'est la raison, oui, pour laquelle le pessimisme chez moi, il est structurel et il se résume en un mot. Il existe, vous l'avez peut-être lu ses œuvres, un grand philosophe ami qui s'appelle Michel Serres. Et Michel Serres, grand abolitionniste, dit toujours en riant, dans les espèces vivantes, il y en a deux qui tuent pour tuer. Pas pour régner sur le troupeau, pas pour être celui qui aura la meilleure note, ou la plus belle femelle, qui tue pour tuer l'autre. Et ces deux espèces vivantes, c'est l'homme et le rat. Et il ajoute toujours en souriant, ce qui veut dire en clair, que l'homme est un rat pour l'homme. Tragique, hein ? Mais c'est assez beau. Deuxième question, peut-être au balcon. On ne vous entend pas très bien, monsieur, alors. Allez-y. Monsieur Badinter, excusez-moi, je suis très heureux de pouvoir vous poser cette question aujourd'hui. Je suis très heureux de vous poser. Sachant que la peine de mort a été abolie grâce à vous, ne vous êtes-vous jamais demandé s'il n'y aurait pas pu avoir une alternative?
alternative à la peine de mort, sachant que dans le cas de graves crimes, des viols, des meurtres, de terrorisme, certains criminels mériteraient d'être, par exemple, d'être... Alors, non seulement on vous entend pas bien, et la question n'est pas suffisamment courte. Allez à la question. Je vais vous faire un aveu. L'âge ne m'a pas rendu vénérable, mais il me rend sourdingue. D'où la nécessité du truc. Est-ce que ça m'a... Ah, c'est bon. Donc, Monsieur Badinter, très brièvement, pensez-vous que l'on pourrait avoir une alternative à la peine de mort comme une véritable peine de prison à perpétuité ? Mais vous l'avez, votre prison à perpétuité. Vous voyez, je vous la laisse. Vous l'avez, la prison à perpétuité, en France, aujourd'hui. Oui, mais... Simplement, ce que vous voulez dire, il faut être très précis, c'est une peine de perpétuité perpétuelle, c'est-à-dire sans qu'on puisse y remédier de quelque façon que ce soit. Et je vous réponds avec beaucoup de force que je n'accepterai jamais. Que je n'accepterai jamais, tout simplement, parce que vous ne pouvez pas prendre un être humain et décider que le reste de sa vie s'écoulera dans un espace que nous connaissons d'environ 3 mètres sur 2,50 et c'est tout. Cela constitue un supplice à vie. Et vous ne devez pas supprimer d'une vie humaine ce qui est le seul levain nécessaire du changement et de l'amélioration que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espérance. J'ajoute que, de surcroît, vous n'aurez pas de personnel pénitentiaire pour accepter de garder des hommes dans cette condition. Donc, j'ajoute, enfin, souvenir que au moment du débat sur la peine de mort, quelques amis sont venus voir en me disant « Écoute, il faut quand même, pour l'opinion publique, trouver une peine de substitution. » Et ma réponse a été très simple. J'ai dit « On ne substitue pas un supplice à un supplice. On le supprime, tout simplement. » Je n'ai pas changé. Je vais vous infliger une terrible frustration, mais je l'assume parfaitement. Ce sera la dernière question. Monsieur, merci de la poser. Je vous remercie, monsieur Badinter, de nous faire l'immense honneur d'être présent aujourd'hui. Et comme mon premier camarade a été plus prompt que moi, je ne vais pas poser la même question, mais la compléter. Les chiffres sont de 52% selon l'enquête Ipsos qui a été menée avec Sciences Po de Français favorables à la peine de mort. Et généralement, le Parlement n'est pas progressiste. Il ne fait que suivre les mœurs d'une société. Comment imaginer, très brièvement, que pour la prochaine génération, à travers l'éducation, on arrive enfin dans une société où la question des droits humains et de la peine de mort ne se pose plus. Victor Hugo voulait croire que chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Est-ce que par idéalisme ou par pragmatisme, on peut arriver à l'idée que c'est la société qui génère le crime et que l'on peut créer par l'éducation une société où cette question ne se posera plus ? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un idéal inatteignable ? Je vous remercie. Merci d'avoir été si bref. La société sans crime est inconcevable telle que l'être humain est. J'ai évoqué tout à l'heure mon pessimisme foncier sur ce point. Donc, je n'y crois pas. Mais ça n'est pas pour autant, que vous devez user de la peine de mort et mettre à mort autrui. Vous avez d'autres moyens que j'ai évoqués. Mais je le dis aussi simplement que cela, c'est au fond, tous les êtres humains sont porteurs de la pulsion de mort, tous, nous savons ça qui dort en nous. Et dans les guerres, ça se libère plus. Au moment où, par un transfert d'imagination, nous prenons face à un crime atroce, la place imaginaire de la victime, à ce moment-là, il y a une pulsion de mort, une pulsion qui énerve. Et elle existe parce qu'elle est, je crois, inhérente à l'être humain. À partir de là, j'ai évoqué les multiples raisons, on ne va pas, sûrement pas revenir en arrière. Mais ce que je voudrais
que vous mesuriez, c'est que l'abolition de la peine de mort, c'est une des rares victoires que l'être humain peut remporter sur lui-même, sur ce qu'il a de pire en lui. Et qu'à ce titre, rien que pour cela, pour d'autres raisons, rien que pour ça, se battre pour l'abolition, ça vaut la peine. Merci. Merci infiniment. Merci, vous m'avez fait, je n'hésite pas à le dire, un très grand plaisir. Et puis, j'ai eu une pensée ironique à l'égard du vrai père de l'abolition, c'est-à-dire Mitterrand. Et je lui aurais dit, voyez, président, j'avais raison. Allez, merci.